paraît que c'est comme ça qu'on la trouve, l'inspiration. Dans son manteau de nuit, dans les vapeurs d'alcool. Rien ne me vient. J'ai dû louper quelque chose. En même temps, faut-il avoir quelque chose à dire? Et faut-il savoir comment l'exprimer? Moi, je sais faire parler la rue. D'habitude. Mais sans mots. Avec des mots, c'est plus facile. On sait quand ils nous trompent. On sait quand ils sont creux. Tandis que les courbes et les couleurs. Et la ville est bien douce. Toutes ces lumières, rien que pour moi. Tiens, c'est l'inspiration qui se ramène. Thank you.
L'inspiration est bien mal en point. Stop ! Attendez, ce n'est plus possible, il faut que l'on s'arrête. D'autant plus qu'enfin nous y sommes dans le centre. Le grand chef-d'œuvre ne sera pas pour ce soir. Sauvons au moins ce qu'il reste d'inspiration. Bonsoir. Je n'ai rien pour vous aider à apaiser miraculeusement cette toux, ni conseil ni remède. Je connais cependant quelqu'un qui saurait vous aider. D'où sortez-vous? Que faites-vous ici à une heure pareille? On nous a pourtant toujours dit que tout le monde avait un toit dans le centre. Je pourrais vous retourner ces questions. Il est vrai que j'en ai oublié les civilités. Excusez-moi. Je m'appelle Raphaël. En vous étant arrêté ici, vous avez pénétré la charpente de mon imaginaire. La rue est mon atelier et la nuit mon contremaître. Je déjoue sa vigilance pour vous apporter mon aide. Voilà qui est courageux. J'ai peur néanmoins que le courage que vous tenez dans votre main ne nous soit pas d'une grande aide. C'est d'un médecin dont je vous parlais. Je vous l'appelle? Sinon, je passe mon chemin. S'il vous plaît! Oui, aidez-nous, ne partez pas. D'accord. Bien. J'espère qu'elle entendra l'appel. Espérons. S'il y a bien une personne qui accourra sans sourciller, c'est elle. Allô? Suzanne à l'appareil? Allô Suzanne? C'est Raphaël. Je ne te réveillerai pas en pleine nuit s'il n'y avait pas urgence. Un recoin du monde est venu jusqu'à chez nous, les bronches décapées. Il va rendre son dernier soupir, noir de misère et d'abandon, s'il n'est pas très rapidement soigné. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Raphaël? Tu as bu? Non! Enfin, oui, mais là n'est pas la question. Ce sont des périphériques. Il y en a une vraiment mal en point, c'est du sérieux. Elle a besoin de toi. Bon, très bien. Je m'habille et j'arrive. Merci, Suzanne. Elle arrive. Merci. Allô, Suzanne? Dans combien de temps penses-tu venir? Je suis là. Je suis là. Ouf, tu n'as pas trop tardé. Elle est là. C'est elle. Bonsoir, messieurs, dames. C'est votre amie? Savez-vous ce qu'elle a? Elle tousse, comme beaucoup d'entre nous. Comme une voile qui se déchire. C'est la plus touchée. C'est le smog. Le smog? Je vais vous ausculter, madame, si vous le voulez bien. Pour cela, il va falloir qu'on vous soulève votre haut. Voilà. Maintenant, respirez fort. Prenez une grande inspiration. Et expirez. Encore une fois. Inspirez et expirez. Effectivement, c'est comme si elle avait avalé un orage. Je n'ai pas besoin d'en voir plus. Vous avez besoin de soins dans un endroit adapté. Je vous emmène à l'hôpital. Je vous accompagne. Venez. Mesdames et messieurs, sous l'avalanche de sollicitations reçues de toutes parts, suite aux événements récents qui ont charrié leur lot d'inquiétudes et de suspicions, nous vous proposons, par cette conférence extraordinaire, d'éclaircir la situation présente. Je m'en vais donc répondre à vos questions. Je vous en prie, allons-y. Ce que cache l'arrivée de groupes de déplacés, nous le savons bien, c'est la venue d'une mauvaise brume sur tout le pourtour de notre mégalopole. Quelles sont les mesures d'urgence que vous avez prises? Combien de temps reste-t-il pour les malades du smog? Le nouveau prix Bonnel d'astrologie estime à présent que le smog pourrait envahir le centre-ville dans moins de 2 heures, c'est-à-dire d'ici la fin de la pièce. Monsieur le maire, que comptez-vous faire? Nous sommes toutes et tous conscients de la réalité des risques. Pour chez nous, pas seulement dans l'extrême lointain de la périphérie. J'en veux pour preuve que seront lancés très prochainement l'Observatoire du smog et le Haut Conseil pour le désenfumage. Comme vous pouvez le voir, les choses avancent. Des mesures sont prises dans le centre, mais cela ne suffit pas au regard des périphériques. Moé Aponan, une de leurs représentantes,
clamant, je cite: nous sommes venus ici pour avoir accès à des soins, pour ne pas crever dans l'indifférence générale. J'ai fait la route avec une femme qui a succombé au smog dans la nuit. Il ne restait en elle plus qu'une masse informe, un brasier d'ombre. S'il lui est arrivé face, se reproduit. Nous exigeons de la dignité. Vous n'avez pas le droit de nous ignorer. Fin de citation. Des mesures immédiates sont donc espérées pour les quartiers périphériques. Qui répondez-vous? Nous concédons la hâte, mais nous refusons l'urgence. Il est très difficile de prendre des mesures sans perturber l'équilibre social et économique de notre mégalopole. Monsieur le maire, on sait de longue date que les usines de la périphérie sont responsables d'une pollution atmosphérique, jusqu'ici circonscrite et non létale. Avez-vous des informations concernant la stabilité du phénomène? Il se pourrait, comme vous le sous-entendez, qu'il y ait à chercher du côté des déjections des manufactures. Notez toutefois que tous nos fleurons industriels, qui font la grandeur de notre monde moderne, ont suivi l'appel de la Compagnie des Lampes pour des pratiques plus vertueuses, portées par sa dirigeante, Madame Priscille Desgrive. Je n'irai pas jusqu'à dire que tout baigne comme un poisson dans l'huile, mais nous avons de quoi rester optimistes. Mesdames, messieurs, vous m'envoyez navré, mais comme nous l'a fait remarquer votre collègue tout à l'heure, le temps presse. Je suis attendu. La suite s'installe déjà. Je vous remercie. Madame Desgrive, vous vous faites le héros de l'industrie avec l'appel de la Compagnie des Lampes. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien, il s'agit de faire bouger les lignes. Il est temps de changer les standards, de ne plus s'égarer dans la disruption. Nous avons un rôle clé à jouer. On ne va pas faire péter la serrure, on va enlever la porte. Les lumières de la ville, c'est nous! Ainsi, j'appelle l'industrie à déployer tous les moyens possibles pour aiguiller la municipalité dans ses actions. En guise d'exemple, nous allons créer un grand plan d'éclairage urbain. Notre nouvelle génération d'ampoules a été mise sur le marché il y a peu, et nous en amorcerons le triple dans la mégapole afin de créer un parapluie lumineux contre le smog. Y a-t-il challenge plus affriolant que celui-là? Non. Voilà ce que j'appelle donner du sens à l'innovation. Bonjour Suzanne. Moya, la nuit n'a pas été trop longue? Un café s'il vous plaît. Elle fut interminable et sombre. Mon ami a souffert et personne n'a rien pu faire. Plus que la maladie, c'est sa soudaine sévérité qui nous échappe. Pourquoi ce smog est-il devenu soudainement si agressif? Y a-t-il eu un événement qui aurait pu en changer la nature? Je ne crois pas, non. Voilà ton frère. Salut. Arsène, Moya. Bonjour. Qu'est-ce qui te rend si joyeux, Arsène? Les sourires se font pourtant bien rares depuis hier soir. Mais l'usine est presque terminée. Nous pourrons bientôt lancer la production. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Le voilà qui se prend pour Victor Frankenstein. Pardon, mais l'usine? Ne me regardez donc pas comme ça. Mais l'usine n'est pas une sorcière, mais simplement la pile électrique sur laquelle nous travaillons avec mon équipe. Bientôt la ville sera plus lumineuse que jamais. Mais tu disais que les sourires se faisaient rares. Un smog de plus en plus nocif, létal, s'épaissit dans les périphéries. Les gens tombent malades. Le smog rentre en nous, brise notre souffle. Moya est arrivée cette nuit avec des périphériques très mal en point. Nous avons dû emmener une femme à l'hôpital. Cela fait longtemps que les vieux sont malades et que les bébés naissent asthmatiques. Mais depuis quelques semaines, ce mal latent est devenu épidémie. Les gens meurent. Monter, percer pour réaliser, briller, briller.
Ça y est, vous me voyez. Content de vous avoir aidé. Je n'en peux plus, je suis crevé. Et vous, vous pourriez pas m'aider. Je suis fatiguée. Je pense que je ne viendrai pas ce soir. Cela te changera les idées, Suzanne. Je ne sais pas. Je n'ai plus la tête à ça. Tu travailles trop. Viens avec nous. Peut-être cela te fera-t-il du bien aussi, Moïa. De quoi parlez-vous? Nous avions prévu d'aller au cabaret ce soir. Je ne suis jamais rentrée dans un cabaret. Vraiment? Il n'y a pas de cabaret en périphérie. Comment vous perdez-vous donc sans lieu de perdition? Ces gens-là savent-ils toujours où ils vont? Je me suis déjà plus qu'égarée en venant ici. Après tout, pourquoi pas? Suzanne, es-tu sûre de ne pas vouloir venir? Bon, finalement, pourquoi pas? Cela me fera peut-être du bien de passer un peu de temps avec vous. À tout à l'heure. Ne faites pas attendre la fée électricité. Excellent.
Bonsoir. Nous sommes déjà rencontrés. En effet, bonsoir. Dites-moi, monsieur le maire et la compagnie des lampes volent au secours des périphériques. Vous devez être satisfaite. Je serai satisfaite lorsque ma famille n'aura plus à survivre dans cet air corrosif. Évidemment, mais il faut bien prendre des mesures. En peu de temps, des solutions ont été trouvées et cela vous ne convient tout de même pas. Ne pensez-vous pas que votre exigence desserve votre cause ? Mon exigence est celle de notre cause. Des gens meurent, personne n'y prend attention. Ce n'est pas un détail. Enfin, votre discours me paraît un peu bancal. Jamais les services municipaux n'auraient laissé ces pauvres gens souffrir de la sorte. C'est insensé. N'y a-t-il pas d'autres facteurs à prendre en compte ? Avez-vous fait appel à des experts ? Suggérez-vous que je déforme la réalité ? Oh non, je ne permettrai pas. Parfait. Je vais donc moi me permettre de mettre un terme à cette vaine discussion. Bonne soirée. Penses-tu que les gens croient aussi que je déforme la réalité ? Que j'en demande trop ? Je ne sais pas. Le maire est très apprécié. Beaucoup ont confiance en lui. Peu lui penseraient capable d'abandonner une partie de la population. La périphérie est pour nous si éloignée qu'elle est devenue quasi inexistante. Nous n'en parlons jamais. Comment imaginer que des choses si inquiétantes s'y passent ? Ma famille est peut-être en train de cracher ses dernières parcelles de poumons en périphérie. Tandis que je me bats ici contre un nuage de fumée. À quoi bon ? À quoi bon mettre mon énergie dans une réalité qui ne paraît qu'un mirage un peu vague aux gens d'ici ? Je ne peux pas être venue jusqu'ici pour rien. Si j'arrive à abattre cette indifférence, à briser les monologues du maire et de la presse, alors les périphériques existeront peut-être à vos yeux. Tiens, un verre vide ne te mènera nulle part. Et où ce verre plein me mènera-t-il ? Ah, voilà tout le problème. Je n'ai pas l'habitude de me laisser abattre par des discours creux. S'il faut d'user d'armes plus effrayantes que les mots pour réveiller les consciences... Tu vas donc prête à mener une révolution. Qui donc mène la révolution ? Tu as l'air fatiguée, Moya. Si nous y allions, de toute façon, je ne suivrai pas Raphaël et Arsène dans leur pérégrination nocturne. Cette maladie et notre impuissance m'épuisent. Sache que tu n'as pas dépensé d'énergie pour rien en venant ici. Tu as amené les plus malades auprès de médecins. C'est d'une grande importance. Je ne sais pas. Est-ce que cela sauvera les autres ? Ce n'est pas la question qu'il faut se poser. Et puis, j'espère que grâce à ta venue, nous comprenions la maladie, nous trouvions un remède. Demain, je me rends auprès des malades à l'hôpital. Veux-tu m'accompagner ? Quand nous étions mômes, nous dessinions tous les jours sur ces murs. C'est vrai. Je suis toujours aussi fasciné de te voir dialoguer ainsi avec la ville, la nuit. Tu divagues dans tout cela, comme si tu savais où ça allait te mener. Ce n'est qu'une impression. La rue m'échappe, la nuit aussi. Tout me file entre les doigts. Je tourne en rond depuis quelques mois. Mes œuvres sont vides. Et moi aussi, je me sens vide. J'ai comme un creux entre les poumons. Et la rue, elle qui semble toujours t'offrir l'énergie dont tu débordes. La rue est vide. La ville dépouillée. J'imagine que Moéa remplira ses rues d'une bourrasque. Moéa ! Une bourrasque ! Qu'est-ce qui te prend ? Bah, Moéa. Quoi, Moéa ? Tu ne me la feras pas à moi, Arsène. Je te connais par cœur. Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle te plaît, petit cachotier. Mais non ! Elle lui plaît. Tu crois ? Oh que oui, mon ami. Je peux ?
Quelle est cette particule, Aklis, dont parlaient les médecins? Leur jargon me dépasse. Il semble que ce soit elle qui provoque la toux et la dyspnée en se nichant dans les bronches. Faudrait pouvoir l'en déloger. Et d'où vient cette concentration d'Aklis? C'est bien la question. Le fait qu'on la retrouve à un tel taux dans les bronches indique que l'air que vous respirez en périphérie en est saturé. Alors que le smog a été récemment observé au-delà de la périphérie, on en vient à se questionner sur un possible resserrement sur le centre et sur de nouveaux déplacements de population. Pour évoquer la situation à notre micro ce soir, une figure de proue de l'industrie tout entière, Madame Priscille Desgrives, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de la Compagnie des Lampes et de nouvelles ampoules sortent de vos usines à une cadence de plus en plus élevée. C'est votre réponse à l'ombre qui vient ? Tout à fait. Écoutez, nous avons pris conscience de notre responsabilité à faire changer les choses et nous avons redéfini notre core business en conséquence. Le ciel de la ville s'assombrit. Nous allons le repeindre en bleu. Les lumières de la ville, c'est nous. C'est notre mission à présent. Voyez-en la nouvelle couleur de notre logo.
Ce n'est qu'un début de réponse hein, pour le moment. Juste un début. Nous avons également lancé une fondation pour soutenir les hôpitaux. Nous sommes également en train de développer de nouvelles piles et nous avons... Un possible resserrement. On nous prend pour qui ? On l'a vu de nos yeux vus ! Que reste-t-il de chez moi, d'ailleurs ? Les journalistes n'y vont pas ? Les nouvelles ne passent pas ? Comment ai-je pu les abandonner ? Je voudrais pouvoir les serrer contre moi. Mais qu'est-ce que je croyais ? Qu'en venant ici, on nous écouterait ? On nous aiderait ? Les responsables en sont à se demander s'il est décent de nous envoyer la facture pour être malade de ce monde. Et tous ces bourgeois et ces bien-pensantes qui s'apitoient depuis leur sofa. Je dois les amuser, c'est ça ? Ou les consterner ? Ce n'est pas dans leurs habitudes. Pendant ce temps, personne ne sait quels engrenages briser pour stopper ce cauchemar. Ah ! Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? Bonsoir, mademoiselle ! Permettez-moi de me présenter, Ferdinand Pipe, représentant de commerce pour la plus lumineuse des entreprises ! Bonsoir. Je conviens qu'il soit déjà tard, mais permettez-vous que j'entre ! Vous êtes bien urbaine ! Heureusement qu'il n'y a pas d'heure pour illuminer votre soirée et votre appartement. Je vais donc faire prestement ma présentation, si vous le voulez bien. Finement, oui, enfin, non, pas du tout, allez-vous-en ! Que ne ferais-je pas pour vous ? Démarchage éclair, je vous le promets. Mais dites-moi, c'est coquet ce cocon ? Ce n'est pas chez moi et encore moins chez vous ! Quoique, un peu sombre, c'était sans compter sur ceci ! Toute nouvelle génération ! Des lumens à rendre jalouses les étoiles, bien plus puissantes, mais plus économes. Économisez votre salive, épargnez-moi ce charabia ! Vous avez raison. Ce qui importe vraiment, c'est qu'avec ces incroyables ampoules, on verra mieux vos beaux yeux. Un bulbe sans égal ! Admirez la courbe, faire le tour de votre cœur. Mon cœur a ses lumières, je vous laisse l'artifice. Mais dégarpissez à la fin ! Ah, mais si vous les voyez briller, elles éclairent plus clair que clair. Un miracle d'humanité. Et qui soigne, hein ? Elles n'en ont pas l'air ? Eh bien si, ma petite dame. Tous les bénéfices sont pour les hospices. Achetez-moi 3 et de la grandeur d'âme. Vous en payez 2, les malades iront mieux. Comment osez-vous ? Vous ne respectez donc rien ? Je ne sais pas en quelle langue vous le dire. Mais... Tirez-vous ! Mais enfin, mademoiselle, vous ne pouvez pas passer à côté de cette offre exceptionnelle ! Ce n'est pas tous les jours, le Smoke Friday ? Que se passe-t-il ici ? Arsène ! Monsieur, bonsoir, quel plaisir ! Ferdinand Pipe, représentant de commerce pour la plus lumineuse des entreprises ! Bonsoir. Il veut me refouquer ses ampoules, Arsène, je m'exaspère de le voir décamper ! Monsieur, croyez bien que nous sommes déjà fournis en espèces plus que de raison. Je vous invite donc à prendre vos clics et vos claques avant de disparaître. D'autant que je connais vos manières et vos supérieurs hiérarchiques. J'en viens de la compagnie des lampes. Une bonne soirée à vous. Bonne soirée. Nom d'une pipe en bois de chaume ! Suzanne n'est pas rentrée ? Je l'aurais étripé vif si ça aurait pu ne serait-ce que ralentir l'avancée du smog ! Comment peut-elle travailler si tard ? Comment peuvent-ils s'immiscer chez les gens pour les démarcher des heures pareilles ? La connaissant, elle n'a même pas dû manger. Suzanne, pas de nouvelles ? Non. Les hôpitaux étaient débordés, elle est allée aider à celui du centre sans même repasser ici. Je suis rentrée seule. Oh tiens, au fait, comment était-ce ? Je peux ? Seulement si tu ne m'infliges pas le baratin de votre PDG d'enfer. Oula non, j'entends déjà ces boniments dans toutes les bouches à longueur de journée. J'ai vu des gens venir de périphéries diamétralement opposées à la mienne. Tellement sont atteints. Tout ce monde est bien soigné. Suzanne n'est pas la seule à être si dévouée. Aklis, déjà entendu ? Non, ça sonne dramatique. Ou moderne. C'est l'ombre de la mort blottie dans le smog. La particule qui tue. Les médecins ne savent pas d'où elle vient. On ne l'a jamais observée. Curieux. Les scientifiques ne connaissent plus de mystère aujourd'hui. Si demain j'arrive à voler un peu de temps à la méga machine à produire des ampoules,
Je regarderai ce que je peux trouver là-dessus. Moi aussi, je suis rincé. Un remontant ne me ferait pas de mal. Tu m'accompagnes? Avec plaisir. Je sais qu'elle garde une bouteille. Par contre, je te laisse te débrouiller pour faire les tours de salon. Là. Vous savez y faire en alcool dans le centre. Nous remercierons Suzanne. Cette musique donne envie de danser. Je sens bien que les gens se détachent de ce que je leur dis. J'ai l'impression de n'être qu'une conteuse pour enfants. Et toutes mes histoires n'ont qu'à Clisse pour Maléfice. N'en serais-tu pas l'héroïne plutôt que la conteuse? J'ai trouvé, démasqué, à Clisse. Même les maléfices sont finalement dévoilés? Ce sont les ampoules. Les ampoules, les nouvelles ampoules. Celles que l'on vend à plus soif. Celles que l'on dissémine pour percer le smog. Les ampoules remplissent l'air d'Aclis. On fait donc crever des gens en ravivant des lampadaires. Même la lumière n'est plus si lumineuse. J'en ai bien peur. Je m'en vais fabriquer des bougies. C'est donc l'industrie qui nous étouffe. Il me semble. La compagnie a implanté de plus en plus d'usines pour répondre à la demande croissante de nouvelles ampoules. La dernière étape de leur fabrication libère Aclis en quantité démesurée. Nous aurions dû y penser. Ces dernières années, leurs cheminées ont poussé comme de mauvaises herbes. Elles font tant partie du paysage que nous ne les voyons même plus. Beaucoup de personnes ont célébré leur ouverture car elles y ont trouvé un emploi. Ça ne m'étonne pas. La compagnie visait précisément cette main-d'œuvre. Tout le monde savait aussi que la maladie du périphérique n'inquiéterait personne. Pardon ?
Que dis-tu ? Les usines ont été implantées loin du centre parce que la compagnie savait très bien que le smog finirait par déchirer vos bronches. Quoi ? On nous a condamnés parce que nos souffles n'inquiètent personne ? Parce que nous sommes la masse sans visage ? Moya ! Tais-toi ! Tu savais, toi ? Toi, tu mets tant de cœur à l'ouvrage de cette compagnie des lampes qui nous chante des berceuses bienveillantes, qui nous annonce haut et fort qu'elle va repeindre le ciel en bleu. Tu nous promets qu'elle va nous aider. Non, ce n'est pas pour cela que je travaille. Alors pourquoi travailles-tu? Pourquoi travailles-tu, Arsène? Laisse-moi. Je ne peux y croire. Qui donc était au courant? Est-ce pour les puissants cachés dans le noir que le peuple perd son souffle et sa vie? L'espoir est mort, je ne renoncerai pas. Les mots se perdent, mais pas le combat. Si tout est vent, tout est fini.
C'est insensé! Mais enfin! Qui sont ces gens? Oui, je vous le demande! Mais que faites-vous? Mais courez, avez-vous perdu la tête? Mais oui, voyez-vous-même! Il faut que je récupère! Mais vous n'allez pas risquer votre peau, pas pour un chapeau! Mon cher, ce n'est pas une vulgaire galure, mais un couvre-chef de la meilleure facture! Fatigué, allons-y vite! Tout a disparu. Pourquoi travailles-tu ? Pourquoi travailles-tu, Arsène ? Arsène, nous te cherchions partout. Je travaillais. Que se passe-t-il? Je me suis perdu dans ce que j'aimais. Le smog a noirci toutes mes convictions. Je ne suis plus sûr de rien. J'ai conçu des ampoules sans en voir l'éclat de catastrophe. Ai-je tué ces gens, moi aussi? Comme nous, aveuglés par l'habitude, tu ne savais pas. Et puis, c'est toi qui as lancé l'appel contre la Compagnie des Lampes. Sans cela, nous lutterions encore contre du vent. Tu ne peux te porter seul coupable de maux soutenus à bout de bras par une société tout entière. As-tu vu les affrontements? Oui, j'étais dans le bâtiment. Est-ce que tout le monde va bien? Plus ou moins, oui. Oh, mon chapeau!
Et Moïa? Justement, elle a été arrêtée. Elle est en garde à vue. Il faut que nous allions la chercher. Toujours plus d'ampoules à changer. Elles se brisent par douzaines et se vendent par centaines. Je ne pense pas que ça soit la bonne solution. En quoi tout briser sur votre passage nous aidera à trouver un remède pour soulager les malades? C'est le smog qui détruit tout sur son passage. Nous devons attaquer le problème à la racine. Cessez de se borner à soulager un mal qui s'étend bien au-delà de nos poumons. Comment peux-tu dire cela? Le nombre de malades augmente tous les jours et nous prions chaque heure qui passe pour qu'Atlis ne colonise pas plus de médecins qu'elle ne l'a déjà fait. Les poumons sont de plus en plus sombres, les corps se brisent, les esprits s'évanouissent. Chaque nouvelle quinte de toux brise un peu plus nos espoirs de pouvoir soigner Moïa. Comment continuer à travailler sans ne plus y croire? Sans même savoir où je vais, l'esprit plus embrumé par la fatigue que leurs bronches par le smog. Atlis ne tue pas seulement les malades, elle achève également celles et ceux qui soignent. Excuse-moi, je ne voulais pas dire que ton travail est inutile, mais ces mouvements de désobéissance sont eux aussi précieux. Même pour toi. Suzanne, tu ne tiendrais pas pareil discours si tu n'étais pas dans un tel état de fatigue. Je crois que... Tu es épuisée. Tu sais mieux que moi qu'il est impossible de tenir le coup si longtemps. Tu ne seras utile à personne si tu t'écroules. Et nous avons besoin de toi. Va dormir. Tu as déjà fait tout ce que tu pouvais aujourd'hui. Repose-toi. Suzanne a raison. Qu'est-ce que cela apporte de briser les vitrines et d'éventrer les pavés? Est-ce la meilleure manière de défendre notre santé que de se rompre les os dans des affrontements que personne ne maîtrise? Cela ne devait pas tourner aux affrontements. Ce n'était qu'une manifestation pour afficher la compagnie en coupable et que la municipalité cesse de se cacher derrière l'observatoire et des mensonges. Ni os, ni vite, ni pavé n'aurait dû être... Toujours est-il que c'est ce qu'il s'est passé. C'est une raison de plus de s'indigner. Personne ne dit que vous avez eu tort de faire cela. Encore heureuse que tu ne rejettes pas la faute sur nous! Écoute, je suis désolé d'avoir contribué à ces ampoules, mais je n'ai pas choisi comment a été utilisé mon travail, encore moins le lieu d'implantation des usines. Je ne savais pas ce qui se passait! Tu aurais dû te poser les bonnes questions! Mais quelles étaient les bonnes questions? C'est trop tard! Tout le monde est sorti trop tard de sa torpeur! Trop tard. Trop tard. Il s'agit au moins de ne pas se rendre coupable d'inaction, ne pas continuer à faire semblant dans des habitudes confortables qui ne seront pas préservées! Je ne peux pas attendre sagement que d'autres proposent des ébauches de solutions. Et si quelques coups sont le prix à payer... Quoi qu'il en soit, nous entre-déchirer ne fera qu'empirer les choses. En revanche, si chaque personne fait sa part... Eh bien ma part à moi, c'est d'aller manifester. Celle de Suzanne soignée, chacune sa part.
Il suffirait que personne n'achète plus d'ampoules. Nous n'avons plus le temps d'attendre ce genre de choses. Tout est construit pour l'utilisation de ces ampoules, Raphaël. On ne peut plus s'en passer, tu le sais bien. Pas du tout. Vous voyez tout si sombre. Voilà qui est mieux. Je suis entre la rage, l'angoisse et quelque chose que j'aurais pu avant tout cela appeler l'espoir. Au moins avons-nous cette bougie. Tu as passé la nuit dans une cellule. C'est éprouvant. Il y aura d'autres actions demain. J'y prendrai part. Ils vont te cueillir la première, avec encore moins de douceur. Je connais les risques. Les coups vont se perdre. Vous ne gagnerez rien. Et nous ne les rendrons pas. C'est leur violence, pas la nôtre. Autrement perceptible que celle du smog. Il faut que j'y aille. Il le faut. Alors laisse-moi t'accompagner, s'il te plaît. Je vais être là, K.O. C'est déjà inestimable, une bougie. Je te dirai au mesure. Merci. Moi aussi, je suis affecté, fatigué et inquiet. À mesure que le smog se rapproche, je vois les possibles se réduire, et tout cela ternit ma joie. Je la sens toujours vive. Cela m'a fait beaucoup de bien de danser ensemble l'autre soir. C'était très agréable, c'est vrai. Cette avancée du smog est préoccupante. On ne peut toutefois tolérer telle violence, je me dois de le redire. D'autant que la réalité ne saurait être aussi simple. Les emplois créés par les manufactures étaient providentiels à l'époque. Drôle de providence, Kéaklis. Messieurs, je vais recentrer légèrement le débat. Il n'est pas question ici de faire le procès de l'entreprise jusque-là unanimement estimée. Attendons preuve ou éclaircissement. Non, ce qui est alarmant aujourd'hui, c'est la situation quasi insurrectionnelle au siège de la Compagnie des Lampes. Oh oui, alarmant. Monsieur le maire, un commentaire ? C'est un triste spectacle auquel nous avons assisté. Les forces de l'ordre ont heureusement pu contenir les émeutes urbaines et le personnel, dont Madame Priscille Desgrive, a pu être évacué sans heurts. Oh oui, heureusement. Il semblerait que la majorité des gens présents étaient constitués de déplacés et que vous soyez à présent dans leur viseur. Moé Aponant, une des figures du mouvement, vous accuse de complicité dans le drame qui se joue. Pardonnez-moi, je risque d'être vulgaire, mais je trouve que cet individu tient des propos de doudingue. Tout le monde sait mon abnégation pour la... Si la cité meurt, c'est mon atelier qui s'effondre. Et toute la raison d'être. Parle-t-on de violence ? Ma charpente qui prend feu. Le smog n'est pas tout à fait là. Ont déjà disparu les astres. Derrière ce linceul couvrant la cité, dans le ciel en deuil, mes rêves sont envolés. Thank you.
sujet sans loi. L'art peut-il guérir les cœurs affaiblis et sa lumière rendre cette nuit insensé ou naïf? Pourtant oui, j'y crois à ce futur pour lequel je me bats. Nous y trouverons des étoiles et des rêves grâce aux couleurs et leur alliance. Imaginez ce futur, son horizon éclair et son ciel est pur. Ne voyez-vous pas, c'est une page blanche où tout reste à écrire. Un monde où l'on respire, où les conflits cessent et règne la beauté d'un idéal qui fut en rêver. N'est-ce pas une raison d'espérer? C'est pour cette promesse que je m'engagerai. Insensé ou naïf, autant que j'y crois à ce futur pour lequel je me bats. Nous y trouverons des étoiles et des rêves grâce aux fleurs et leur alliance. Je ne sais si vous entendrez ces mots. Je ne sais si vous verrez ces formes. Il défend la beauté et la vie, perçant la nuit, telle une bougie. Insensé ou naïf, pourtant oui, j'y crois à ce futur pour lequel je me bats. Nous y trouverons des étoiles et des rêves grâce aux couleurs et leur alliance. Nous suivrons cette idée. Le prototype de l'usine bientôt sortira de nos usines. C'est une merveille technologique pour le bien de notre ville. Toute l'industrie s'implique. Thank you.
C'est un exploit, c'est inédit. Rassurez-vous, voyez, respirez. Car la lune sera repoussée. Voilà notre mission accomplie. Le soir s'efface, le mortel et sa puissance bleue de mille vols. Allons annoncer la nouvelle qui gagne. Encore de nouvelles ampoules ? Encore, oui. On continuera tant qu'il n'y aura pas de changement. Le changement d'ampoule, c'est maintenant, me dit-on chaque matin. C'est un peu répétitif comme discours tout de même. C'est normal. Il y a toujours des vies en jeu. Tant qu'il n'y aura en jeu que de l'argent. Cela vous paraît-il pas normal ? Ne comprenez-vous pas qu'on ne puisse changer l'ordre des choses en un claquement de doigts ? Le problème maintenant, c'est que c'est plus aux normes. On m'a dit que si on remettait les anciennes, elles nous claqueraient entre les doigts. On ne se base pas sur des on-dit. Toute la communauté scientifique est unanime. C'est l'existence même de la cité qui est menacée. Les normes se font et se défont au gré des intérêts. C'est devenu vital ! Pourquoi ne désobéissez-vous pas ? Ne vous sentez-vous pas concerné ? Bien sûr, je me sens concerné. Eh bien alors ? Je ne sais pas. Je fais mon travail. Je reste neutre. On n'a plus le droit de répondre ça aujourd'hui. Même sans avis sur la politique, l'ordre des choses n'est pas neutre. Il est criminel. Et voilà, une cinquième de changer. Je fais tout ce qu'il me faut. Merci. Il faut que je te dise quelque chose. Qu'a-t-il ? Ce n'est pas le plus important, mais Moïla et moi... Je ne peux pas dire que cela m'étonne vraiment. Je me suis surpris. En revanche, ce qu'il fallait vraiment que je te dise, c'est que nous avons achevé Mélusine. Les premiers tests sont stupéfiants. Elle repousse le smog comme prévu. Nous l'avons, notre miracle. Une bonne fée technologique. Ça ne va pas guérir les gens. Mais enfin, le smog sera dompté, tenu à distance. Tu vas pouvoir souffler, te reposer un peu. Je suis très satisfait. Eh bien, tu ne dis rien ? Arsène. Comment peux-tu ne pas partager mon enthousiasme ? Arsène, il n'existe pas de solution miracle, de sort, d'incantation impie pour détourner la catastrophe. J'en fais des insomnies toutes les nuits en dépit de la fatigue. Mais enfin, puisque je te dis que nous avons réussi ! Comment peux-tu être naïf à ce point ? Je te croyais plus critique, plus réfléchi. Capable de lever la tête du guidon pour prendre de la hauteur. Je cherche des solutions. Mais quelle solution ? Quelle solution ? Encore une autre petite bombe technologique ? C'est terrible pour une médecin de donner des antidouleurs et des palliatifs à un patient sur son lit de mort. De lui dire que le vrai remède serait politique, mais que les autorités dînent aux chandelles avec l'empoisonneuse. De lui dire qu'il va mourir et que j'y suis impuissante. Mesures-tu le drame ? Combien de Mélusines pour que ça fonctionne ? Combien d'usines pour les produire ? Combien de nouvelles particules aux effets aussi néfastes qu'inconnus ? Et tu t'imagines que parce qu'on le tiendra à distance, le smog va disparaître ? Pourquoi arrêterait-on de produire des ampoules si on ne voit plus les problèmes qu'elles causent ? Il en produira bien plus grâce à ta pile ensorcelée. As-tu seulement idée des réactions en chaîne que cela déclenchera ? Ce ne sera pas un sortilège, mais une malédiction. Et tout le monde applaudira. Bonsoir, madame. Ferdinand Pip, représentant de commerce pour la plus lumineuse des entreprises. Tout à fait, c'est bien moi.
Ferdinand Pipe, pour vous servir. Si ce sont des ampoules que vous venez nous servir. Non, loin de moi cette idée. Je ne viens que distribuer, en mission d'intérêt général, quelques masques pour éviter de respirer ce smog létal. On croirait une œuvre de charité. Oui, 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 c'est tout à fait gratuit. On agit pour le mieux à la compagnie. Et nous faisons encore plus fort. J'aimerais mieux ne pas savoir. Bonne nuit. Dès à présent, précommandé. La merveille, chassant le smog à prix d'or. La pile, mais l'usine, prête à sortir de nos ateliers. Je crois rêver. Vous allez disparaître mais, sur le champ. Si vous n'êtes pas intéressé, pas la peine de vous énerver. Thank you.
Qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez-vous immédiatement! Oh, je vous parle! Laissez tomber ce que vous tenez! Main sur la tête! Tout de suite! Sa nocivité est avérée. En cas d'urgence absolue, rendez-vous auprès de l'une des cellules médicalisées. Le smog a envahi toute la ville. Il est recommandé de ne pas le respirer. Faites bien attention. Sa nocivité est avérée. En cas d'urgence absolue, rendez-vous auprès de l'une des cellules médicalisées. Voilà 3 jours que les émeutes ravagent les restes de cette ville. Tout s'est enrayé. C'est la mort accidentelle de l'artiste de rue. Ça a mis le feu aux poudres. C'est sauf qui peut sur les boulevards. Plus de police, plus de maire, même plus d'éclairage public pour nous laisser une lueur d'espoir. Cette société est brisée. Plus brisée qu'une ampoule tombée du haut d'un lampadaire. Que pourrait y faire un technicien ? Étincelle. Qui a plus droit de cité?
Et logistique. Les chœurs. Les danseurs. L'orchestre. Les compositeurs. Les paroliers. La technique. Les acteurs. Nos responsables décor, Lauriane, Camille et Laure. Notre responsable costume, Sylvie. Le responsable communication, Quentin. À la logistique, Merwan. Et aux événements, Alix. La responsable chant, Félana. Nos deux chorégraphes, Jeanne et Valentine. À la musique, Maxime. La responsable parole, Élie.
nos deux filles, Camille et Aurélien. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour notre metteuse en scène, Élise. La vice-trésorière, Anaïs. Le secrétaire, Victor. Les vice-présidents, Cédric et Selma, et Hugo et Quentin. Et notre présidente, Calista. Merci, merci à tous d'être venus ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. De plus de 2 ans de travail pour écrire le script et les chorégraphies, composer les musiques, créer les décors et les costumes et bien sûr mettre en scène. La com, c'est surtout plus de 120 personnes qui s'investissent ensemble pour satisfaire vos yeux et vos oreilles. À travers ce spectacle, nous avons essayé de vous transmettre un message qui, j'espère, vous aura touché. Et maintenant, nous tenons à remercier certaines personnes qui nous ont grandement aidés pour la réalisation de ce grand projet. Nous tenons donc à remercier principalement les Terres de Compiègne, avec notamment Éric Rouchot, le directeur, Hélène Nibelen, Julie Kutz et Jean-Philippe Priol, le directeur technique du Théâtre Impérial. On remercie également toute l'équipe technique du théâtre, avec Hugo Couvreur à la console son. Thierry Alexandre à la console lumière. Au plateau, nous avons Denis Bouzu. Et enfin, Pierre Bocard et Florian Huet, technicien son et technicien lumière. Nous voulons maintenant remercier ceux qui nous ont apporté une aide tout au long du projet. Tout d'abord, nous voulons remercier l'UTC et plus spécifiquement Madame Véronique Edoux et Madame Véronique Lemaître. Le BDE et le PAE, ainsi que leurs présidents respectifs, Camille Baudou et Simon Caté. La ville de Compiègne, et plus spécifiquement les services communication et de la jeunesse et des sports. Et un grand merci à Ariel François qui nous a apporté une aide sur les 2 années de projet. Merci enfin à la Halle des Sports de nous avoir prêté ses locaux pour répéter. Nous voulons aussi remercier nos partenaires financiers, le FSDIE, le BDE, le CROUS, le Conseil Régional des Hauts-de-France et le Conseil Départemental de l'Oise. Un grand merci également à tous nos sponsors pour leur soutien. La Société Générale, l'Entre-deux-Mondes, la Librairie des Signes, la Coëtte à Bière et les Petits Bilingues. Nous remercions également toutes les associations de l'UTC qui nous ont aidés à la création de ce, spectacle, pardon, notamment Décibel, ainsi que SSP pour la réalisation du teaser de l'After Movie et de la captation. On remercie également PixArt, ainsi que Océane Dubois pour avoir réalisé les photos des affiches. Un grand merci aussi au SIMDE de nous avoir fourni une billetterie. Merci au Polar et au Fil pour leur soutien dans notre campagne de communication. Merci également à Stravaganza, Coïncidence, le Conservatoire de Compiègne et le Soprano de nous avoir gentiment prêté décors, costumes et instruments de musique.
Et pour terminer, nous tenons à adresser des remerciements spéciaux aux différents professionnels artistiques qui nous ont aidés et soutenus à la création de ce spectacle. Pour la chorégraphie, Caroline Roland. Pour le chant, merci à Caroline Michel. Pour la musique, on remercie Romain Melchior. Et enfin, un immense merci à Fabio Alessandrini pour la mise en scène. Pour terminer, un grand merci à tous les membres de l'association, ceux qui sont présents ce soir et ceux qui n'ont pas, malheureusement pas pu venir. Rien n'aurait été possible sans vous. Merci pour votre investissement sans faille, soyez fiers de votre spectacle. Merci à vous, public, d'être venus ce soir. Passez une très bonne fin de soirée et à dans 2 ans. Je t'en prie.